Pousse, hop, on démarre aussi l'enregistrement pour YouTube. Donc bonjour Twitch, bonjour YouTube. J'espère que vous allez bien. On est parti du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour l'analyse de la note de patch. Note de patch 12.14. Donc comme je l'ai expliqué dans la dernière fois que j'ai fait ça en fait, parce que c'est la deuxième fois que je le fais, l'analyse ça va surtout être une analyse par rapport à Rammus. Donc si vous aimez bien jouer Rammus, ou alors que vous détestez l'affronter, ça peut être dans les deux cas. Et bien du coup, sachez que voilà, cet endroit c'est fait pour vous. Je vais essayer d'analyser en profondeur un petit peu tous les changements qu'il peut y avoir, et il y en a beaucoup. J'ai survolé rapidement la note de patch. Et il y a énormément de changements dans la jungle. Il y a également des changements majeurs, notamment au niveau des runes, qui vont affecter Rammus. J'espère que ça va pas trop l'impacter. Mais pour l'instant, de ce que j'ai vu, très franchement, ça peut être un nerf indirect extrêmement puissant pour lui. Enfin, contre lui, plutôt. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Donc là, il parle de la note de patch. Ça, on va pas trop le regarder. On va essayer de découvrir ça ensemble. Donc on commence par Aatrox, dans les champions. Aatrox. Donc la stat de croissance en PV a été augmentée. Les soins passifs du E ont été réduits en fin de partie. Et les soins supplémentaires du R ont été réduits en fin de partie. Alors, il faut savoir que Aatrox, Rammus, c'est un champion qui le counter assez bien. Dans le sens où Aatrox est un personnage qui se base essentiellement sur sa régénération de PV. Comme vous le savez, Aatrox, il a de la régène par rapport à ses sorts. Grâce au passif de son E. Mais également par rapport à ses items. Étant donné que c'est un personnage qui fait très très rapidement les viscérateurs. Et que son ultime, en plus, augmente tous les soins qu'il va recevoir. Aatrox, c'est un personnage contre lequel il faut faire beaucoup dans chill. La chance qu'on a avec Rammus, c'est qu'en fait, Rammus est justement le personnage qui va rush très rapidement la côte épineuse et qui donc va pouvoir réduire énormément dès l'early game les soins de Aatrox. Donc par rapport aux réductions de soins de Aatrox, je pense même que Rammus est un des meilleurs champions parce que du coup, c'est vraiment l'un des rares personnages jungle qui rush l'item en chill au tout début de la partie. Donc Rammus est très fort contre Aatrox à ce niveau-là. Là où il est un peu plus faible, c'est qu'en fait, Aatrox, c'est un personnage qui se base énormément, un petit peu comme Riven, même si là, c'est beaucoup plus accentué. Il se base beaucoup, beaucoup sur ses sorts, en fait. Il se base beaucoup sur ses sorts pour faire des dégâts, beaucoup moins sur ses auto-attaques. Donc c'est un personnage qui va faire beaucoup de pénétration d'armure, et qui va, à l'inverse, faire très peu de vitesse d'attaque. Donc au niveau des dégâts que Rammus pourra lui infliger, ils vont pas être conséquents contre Aatrox. Par contre, l'avantage que vous avez par rapport à Aatrox, c'est que du coup, vous pouvez très facilement réduire son soin, pour aider vos alliés à le tuer. Donc Aatrox, un des rares combattants qui ne se fait pas détruire par Rammus. Donc voilà. Donc là, on va regarder stade de croissance en PV. Bon, il gagne 10 PV par niveau. C'est pas énorme. Enfin, pas par niveau, il gagne 10 PV de base. Enfin, 4 PV. Ouais, c'est ça, 10 PV de base, excusez-moi. J'ai du mal à parler. Les soins passifs, du coup, qui vont passer de... Alors, dommage qu'ils soient barrés à chaque fois, on voit pas très bien. Qui passe du coup de 26% en late game à 24% en late game. En early game, ça reste la même chose, et ça va juste baisser de 0,5, de 1, de 1,5 et de 2, en fonction du niveau. Donc, pareil, le soin qui est pas forcément gênant, ça va juste encore renforcer la puissance de Rammus contre Aatrox. Et on voit également le soin augmenté, donc soin augmenté par rapport au R. Donc là, pareil, ça baisse du coup de 5 et de 10%. Ça reste la même chose au niveau 1. Par contre, ça va baisser en fait avec le niveau. Ce qu'on peut dire de ça, c'est qu'en fait, en early game, les soins vont rester les mêmes. Donc ça, c'est pas gênant, parce que comme j'ai dit juste avant, Rammus, ça va rush côté épineuse. Donc avec un peu de chance, quand on ira gank Aatrox dès l'early game, avant son niveau 11, bah, on aura déjà cette réduction de soins. Donc ça va pas forcément impacter Rammus à ce niveau-là. Ça va pas y avoir de très gros changements. Par contre, en late game, la réduction de soins, là, du coup, ça va permettre à faire en sorte que même vos alliés, donc même si jamais avec Rammus, vous êtes pas forcément dans le fight, ça va permettre également à vos alliés de lui faire un peu plus de dégâts. Donc c'est pas du tout un nerf. C'est pas du tout un nerf. Je pense même que indirectement Aatrox, il s'est fait... comment dire, la réduction de soins... Ça change pas grand-chose par rapport à Rammus, mais ça reste quand même un buff de Rammus indirect. Donc j'ai fait aussi une petite tier list, on va essayer de pimenter un petit peu ça. Du coup, on va mettre que Aatrox... J'hésite à mettre en patch changeant, là je parle par rapport à Rammus, donc c'est voir si c'est un danger par rapport à Rammus, si ça a surveillé, s'il n'y a pas de changement par rapport à Rammus, ou alors si c'est un buff indirect de Rammus.
Aatrox, il n'y a pas forcément de changement au niveau de ses sorts, et c'était ça le plus dur. Au niveau du soin, comme j'ai dit en early game, Rammus, il s'en fiche un petit peu. Et en late game, bon, il a déjà le bonus. Donc on va juste mettre ça en pas de changement. Il n'y a pas trop de changement. Ça va peut-être l'aider un petit peu, mais rien d'exceptionnel. De là à dire que c'est un buff de Rammus, on n'en est pas non plus à ce point-là. On va passer à présent à Alistar. Alistar, tout simplement. Ils vont réduire son cours mana de son A. Et ils vont baisser son délai de récupération. Point positif avec Alistar, c'est que Rammus, comme je vous ai expliqué dans une vidéo, Rammus peut cancel avec son Q-spell le combo de Alistar, donc le combo ZQ, il peut cancel ce combo contre Alistar. Donc si vous ne le savez pas, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai fait sur les 20 astuces de Rammus. 20 astuces pour rester un pro sur Rammus. J'en parle au tout début de la vidéo quand je parle du Q-spell. Et du coup, vous pouvez cancel des dash et notamment des combos comme le combo de Alistar très très facilement. Donc ça, j'ai envie de dire pareil, le Q-spell d'Alistar, c'est pas un sort très ennuyeux pour Rammus. Ça peut l'embêter si jamais il le met hors combo, si jamais il le veut juste le mettre pour embêter Rammus, l'empêcher d'aller sur un DC. Mais à part ça, c'est pas vraiment un nerf ni un buff. Alistar, il n'y a pas trop de changement pour Rammus de par ce buff. On passe ensuite à GP. Alors GP, c'est un personnage qui, sur le papier, Rammus est très très bon pour le 1v1. Par contre, le souci, c'est qu'il a son Z, qui permet du coup d'annuler le taunt. Donc en fait, le souci avec GP, c'est que sur le papier, Rammus, ça défonce un GP. Mais dans les faits, il ne peut jamais le faire. Parce que GP a quasiment toujours son orange, donc il pourra toujours cancel son taunt. Donc si GP décide de ne pas vous taper, GP ne va pas vous taper. Tout simplement. Du coup, c'est un personnage qui, en fait, il va rester neutre, en fait. Il va pas vous taper, et vous pourrez pas le taper. Donc, ça va rester neutre. Donc, voilà. Après, vous allez toujours pouvoir le tanker, donc c'est pas non plus gênant. Mais, en soi, vous pourrez pas lui faire des dégâts. Donc là, du coup, on a réduit ses PV, c'est pas mal. Ça lui permet d'être un peu moins safe en early game. Stade de croissance en PV qui a été augmenté, par contre. Du coup, il va plus scale au niveau de ses PV. Et son armure de base qui a été réduite. Bon, l'armure, très clairement, sur Rammus, on s'en fiche un petit peu. Étant donné que Rammus n'a quasiment que des dégâts magiques, même sur ses auto-attaques, c'est des dégâts magiques. Donc, l'armure, on s'en fiche un petit peu. La compétence passive, par contre. Alors maintenant, elle va scale en fonction des dégâts bonus critiques. Donc, on voyait avant, ça faisait 55 plus 310. Et ça scale en fonction de 100% de vos dégâts d'attaque bonus. Maintenant, c'est pareil, sauf que ça scale également avec plus de 200% de vos chances de coup critique. Donc ça, bon, c'était déjà un petit peu le cas avant, mais là, c'est vraiment le cas maintenant. Si vous tombez contre un GP, il va falloir faire un rendouin très rapidement. Le rendouin qui va être extrêmement important. Ensuite, on passe au Q-spell, donc pour parler, qui baisse de 10 de dégâts en early. Et vu que ça, c'est le sort que GP va maxer, ça baisse ensuite de 5 points de dégâts, et ensuite, ça revient à la même chose à la moitié du level, ça revient aux mêmes dégâts. Ça gagne 5 de dégâts en late game, et ça gagne 10 de dégâts en late. En gros, il va perdre 10 et 5 de dégâts en early, et il va gagner 10 et 5 de dégâts en late. Donc au final, ça revient au même. GP, ça reste un personnage late game. Le souci, c'est qu'avec Rammus, GP, c'est un personnage qui va faire énormément de pénétration d'armure très rapidement. Donc faudra quand même le craindre, faudra faire attention. GP est clairement pas un personnage free. Je dirais pas que c'est un bon perso AD contre Rammus, mais c'est clairement pas un des pires. Donc faudra faire attention. Ensuite, donc le baril, un ralentissement qui passe de 40 à 30% en early et qui passe de 80% à 60% en late game. Le ralentissement qui n'est pas forcément gênant pour Rammus. Pour le moment, on verra juste après parce que moi je connais un petit peu le patch. Mais on verra après qu'au final, ça peut devenir gênant. Mais là, actuellement, bon, c'est pas forcément le pire. Et du coup, il va gagner plus 0,25 de ralentissement en fonction de son coup critique. Donc tous les 1% de coup critique, il va gagner 0,25 de ralentissement. Donc bon. Ça peut faire. Je sors ma calculatrice rapidement, parce que je suis extrêmement mauvais en maths, surtout à cette heure-ci. Donc 0,25 fois 100. Donc voilà, quand il va passer. Je suis bête, mais. Vous avez le droit de vous moquer dans les commentaires. Vraiment, je réfléchis pas. Mais du coup. Quand il aura du coup 100% de coup critique, il aura du coup 25% de résistance au ralentissement. Ça c'est l'heure ça, je n'arrive même plus à réfléchir. Mais du coup il va passer, quand il sera en late game,
Il sera donc à 60 plus 25% de ralentissement. Il sera donc à 85% de ralentissement sur son tonneau. Ça peut être gênant. Ça peut être très très vite gênant. Du coup, il faudra très vite rush les runes ténacité. Et j'ai très envie de... Parce qu'en fait, là, j'ai l'impression que Riot, ils aiment bien augmenter tout ce qui est ralentissement en ce moment sur les sorts. Ils aiment beaucoup les ralentissements. Et malheureusement, les ralentissements, c'est pas ce que les tanks aiment. Donc on va essayer de voir ce que ça pourra donner, mais pour le moment, ça peut être ennuyeux pour Rammus. Dégâts physiques supplémentaires. Il gagne du coup, il perd 5 points de dégâts physiques par niveau, et ça augmente avec le late game. En fait, j'ai l'impression, là, avec GP, ce qu'ils veulent faire, c'est réduire son impact en early game, et à l'inverse, buff énormément son impact en late game, comme s'il n'en avait pas déjà assez. Mais là, du coup, vraiment, on sent que l'objectif de GP pour Riot, c'est le late game, faire en sorte que GP soit un perso 100% late game, qu'il arrête de bully dès le début de la partie. Par contre, si jamais vous le laissez scale trop facilement, eh bien, du coup, ça peut devenir ennuyeux. Donc, voilà, il va falloir faire attention. Et les dégâts supplémentaires, des coups critiques au E, qui vont, par contre, eux, être baissés à 10% le 25%. Donc, GP, à l'inverse, il va devoir faire beaucoup de critiques pour son passif, pour son passif, et également pour le ralentissement du E. Mais du coup, à l'inverse, ils vont baisser les dégâts, pour pas que les critiques soient trop impactants sur Gangplank. Donc, dégâts supplémentaires des coups critiques du E qui sont réduits de 15%. Du coup, GP, on va clôturer. J'ai envie de dire pour GP, par rapport à Rammus, hein, on va vraiment rester par rapport à Rammus, il va falloir le surveiller, très clairement. Le ralentissement va devenir ennuyeux pour les tanks, j'en parlerai du coup à la fin de patch, mais le ralentissement va devenir ennuyeux, il faudra pas négliger cet aspect. Et le fait que Rammus devra rush un rendez-vous très rapidement, ça pareil, ça va du coup le contraindre en fait, ça va le contraindre énormément dans son build, ça va réduire sa mobilité, vu qu'on ne pourra pas faire de plaque du mort assez rapidement. Et ça va également réduire son impact, parce que si jamais il y a un GP en face, on devra peut-être même attendre en troisième item de fin de thème mythique pour faire en deuxième item le rendez-vous. Et ça peut très très rapidement nous ennuyer dans le late game. Donc GP, va falloir le surveiller. Déjà de base, c'est un personnage qui counter un petit peu Rammus, qu'on peut pas trop 1v1 facilement. Donc voilà, GP à surveiller, il faut faire attention. C'est pas non plus un danger, mais il faut faire gaffe. On passe à présent à Gnar. Gnar qui a toujours été un bon pick contre Rammus, malheureusement. Le taunt va juste permettre de stack sa rage plus rapidement. Et il faut rappeler que le Z de Gnar fait des dégâts en pourcentage de PV max. Donc, pareil, Gnar, il n'y a pas beaucoup de changements. Hein. J'ai pas envie de parler très longtemps. Il va gagner des PV de base. Il va gagner. Je sais pas si c'est un 60 ou si c'est un 80. On dirait que c'est un 80. Donc, du coup, il va perdre des PV de base en mini Gnar. Nous réduisons ses PV de base. Donc, il va passer du coup de 80 à 40. 180 à 540. Et sa strat de croissance en régénération de PV, elle va également baisser. Donc elle va passer de 1,75 à 1,25. Bon, ça va pas changer grand chose pour Rammus, c'est juste un nerf de Gnar. Gnar, il fait des dégâts de PV max sur son Z, donc ça peut être ennuyeux pour un Rammus, mais c'est pas vraiment le pire. Donc, pour l'instant, Gnar, pas de changement. Et pas de changement. Pas de changement vraiment impactant. Janna, par contre. Janna, un des pires picks à affronter pour Ramu. Elle a tout pour le counter, elle a tout pour l'ennuyer, et elle a même des dégâts magiques sur son E pour son ADC. Si jamais elle met un E sur son ADC, l'ADC fera des dégâts magiques sur ses auto-attaques. Donc pareil, c'est pas énorme, mais ça peut changer la donne sur un trade, notamment en early game. Donc il faut faire attention. Là du coup, on passe à l'œil du cyclone, parce que j'ai vu que vous voulez nerf les soins. Donc PV du bouclier, ça passe de 65 à 75. Du coup, ça gagne 10 de... Oula, excuse-moi, j'ai du mal à parler. Ça gagne 10 de shield par niveau. Et par contre, ça perd 5% d'efficacité des soins et des boucliers. Donc, j'ai envie de dire quand même que Rammus, ça l'avantage pas. Parce que Rammus, il a du mal à péter les boucliers. Il n'y a pas d'item tank pour péter les boucliers. Du coup, plus le bouclier est gros, plus ça va l'ennuyer. Par contre, tout ce qui est efficacité des soins, j'ai envie de dire, ça, il s'en fout, parce qu'il va rush à côté pineuse. Donc, voilà, ça peut être ennuyeux, mais rien de plus, rien de moins. C'est juste un léger nerf. Léger, hein, vraiment très léger, ça peut être un détail, mais le fait que ça buffe le bouclier et que ça réduit les soins,
La réduction de soins va pas changer grand chose pour Ramus. Par contre, le fait que ça up les boucliers, ça peut changer quelque chose. Et du coup, par rapport au R, donc soins par seconde, ça passe de 90 à 100, de 45 à 50, et de 200 à 200. Donc ça va gagner 10, 5 et 0 de soins par seconde avec le niveau. Et par contre, ça gagne 5% de la puissance de Janna pour le soin. Là, pareil, hein, pas de gros changements. Je me dis que je vais même rajouter une petite catégorie. Ouais, non, je parle d'une catégorie, mais Janna, c'est un personnage qui peut être ennuyeux pour Ramus, de par son counter avec sa tornade, avec son R, et les dégâts magiques sur les auto-attaques de son ADC. À part ça, bon, on n'est pas sur un buff, on n'est pas sur quelque chose de vraiment dérangeant. Janna, on va la mettre également. Pas de changement majeur. Jarvan, par contre. Jarvan, comme je l'ai expliqué dans mon guide sur Ramus, donc mon guide tout savoir sur Ramus, c'est, selon moi, le meilleur personnage AD jungle que vous pouvez prendre contre Ramus. Il y avait également Vi et Wukong qui ont de la pénétration d'armure sur leur sort. Le souci, c'est que Vi et Wukong, ils dépendent beaucoup de leurs auto-attaques, c'est pas que ça. Contrairement à un Jarvan. Et en plus, Jarvan, il a des gants qui sont des PV max sur son passif. Donc j'ai envie de dire, si vous devez piquer un perso AD absolument contre Ramus, prenez Jarvan, il est plutôt bon. Le seul souci, c'est forcément son drapeau qui va augmenter la vitesse d'attaque des alliés. Donc ça, il faudra faire attention à pas trop le placer. Mais à part ça, mettez juste un Q-spell classique avec Jarvan sans mettre le combo. Ça va réduire juste l'armure de Ramus sans booster vos alliés pour autant. Et vous pourrez du coup essayer de le découper un petit peu plus rapidement. Du coup, là, ça va juste augmenter les dégâts. Là, on passe du coup à 90, à 250. Il n'y a pas de changement sur les dégâts. Ce qui augmente, c'est le ratio. Jarvan va gagner 20% de dégâts d'attaque de base sur son Q-spell. Et l'étendard, qui gagne un délai de récupération, qui est réduit en late game à 10 secondes. Donc, 10 secondes, ça va être quand Jarvan sera level 14 à peu près. Réduction de délai sur le E pour Jarvan. En fait, s'il n'y avait que ça, je dirais que c'est un buff pour Ramus, parce que plus Jarvan va spam sur E, plus les alliés vont attaquer vite sur un Ramus, et plus Ramus il va être content. Mais étant donné que Jarvan est selon moi un des meilleurs picks contre Ramus, et que très franchement, on n'a pas trop envie de le voir, je vais juste mettre en neutre. C'est juste maintenant. J'ai peur de le revoir venir, mais d'un autre côté, ce petit buff du E, ça me rassure un petit peu quand même. Donc Jarvan, on va le mettre à mi-chemin. On va mettre en pas de changement également. Même si c'est à surveiller, je pense. Enfin, moi, je pense que c'est quand même à surveiller, hein, Jarvan. Ça peut être dangereux. Ça peut être assez dangereux. Sauf que pour rappel, en dehors de son ultime, Ramus n'a pas de dash. Donc si on se prend du signe de Jarvan, on est détruit. On va le mettre là quand même. Jarvan, ça surveille. Il faut faire attention au joueur. Si vous êtes un joueur de Ramus, faites très attention quand vous tombez contre des Jarvan. Kayn également. Alors Kayn, c'est un petit peu le même souci que Aatrox. Enfin, le même souci. C'est un petit peu le même cas que Aatrox. Bizarrement, c'est tous les deux Darkin. C'est tous les deux Darkin dans le lore. Mais ils ont quasiment les mêmes soucis, les mêmes points faibles contre Ramus. Et à l'inverse, ce sont les mêmes points forts. C'est que ce sont des personnages qui sont basés beaucoup sur leur sort pour faire des dégâts. Ce sont des personnages AD, certes, des personnages AD combattants, mais ils se basent énormément sur leur sort et sur leur sustain pour faire des dégâts, et ils ont besoin de faire des combats longs pour être efficaces. Là, du coup, on va juste dire, donc Kayn rouge, donc Rast, est bien trop puissant depuis les nerfs d'hémorragie lors du patch 12.11, lesquels ont laissé ses soins sans surveillance. Comme à Aatrox, ses soins sont réduits, et sa durabilité de base est augmentée. Donc là, ça va être un petit peu les mêmes topos qu'avec Aatrox. Il va augmenter ses PV de base, sa croissance en PV. Mais du coup, son passif avec le Darkin, ça va du coup passer de récupérer des PV équivalents à 20-30% selon le niveau des dégâts d'attaque infligés aux champions. Alors qu'avant, c'était 25 à 35%, donc en gros, il va perdre 5% de régénération sur ses sorts. 5% de régénération, ça passe, ça va pas avantager Ramus, comme j'ai dit. En fait, la différence avec Aatrox, c'est que Aatrox, ça réduisait ses soins en late game. Sauf qu'en late game, Ramus, ça va pas lui changer grand chose. Là, ça réduit ses soins également en early game. Si tant est que Kayn ait sa forme assez tôt. Mais ça réduit quand même en early game.
De ce fait, la côte épineuse, le rush côte épineuse de Rammus, excusez-moi, là peut être plus impactant. Donc je pense que contre Kayn, ça peut vraiment être très très fort. Le seul souci, c'est que Kayn n'utilise pas beaucoup d'auto-attaque. Donc du coup, je pense que pareil que pour Aatrox, c'est un buff au niveau de l'anti-heal pour Rammus. Mais ça reste quand même un personnage que Rammus a du mal à affronter. Donc on va le mettre en neutre. On va le mettre en neuf, même si le nerf est intéressant, on va quand même le mettre en pas de changement. Parce que c'est quand même. Ça reste équilibré en fait. C'est équilibré. À présent, hop, note de patch. On passe à Leblanc. Leblanc, en plus, que j'ai joué récemment, qui était plutôt cool. Donc, Leblanc a pris un sacré coup dans la mise à jour de durabilité. Depuis, il était capable de suivre le rythme des autres à cause de leur stat augmentée. Nous desserrons donc un peu le cordon de sa bourse de mana pour lui permettre d'éliminer plus facilement ses ennemis. Elle va gagner du mana. Elle va gagner des stats de croissance en mana de 55. Et elle va gagner des dégâts en late game, si je me trompe pas. Voilà, elle gagne 22 dégâts en late game. C'est pas. Il n'y a aucun changement. Aucun changement. Leblanc, c'est un perso AP, certes. Mais elle va pas s'amuser à dashing à Rammus. Surtout qu'il y a une chance sur deux que le Rammus la taunte quand elle va dashing. Donc c'est plus un risque qu'autre chose qu'elle va prendre. Les Leblanc, elles prennent pas trop le risque de dashing Rammus. Elles préfèrent focus des cibles ainsi squishy. Donc pareil, Leblanc. Il n'y a pas de changement pour elle. Alors je sais pas où est-ce qu'elle est par contre. Hop hop, elle est ici. Leblanc, pas de changement. Ça va. C'est plutôt tranquille. Nocturne. Alors Nocturne, c'est pareil, hein, c'est un personnage qui se fait détruire par Rammus. Si tant est qu'il arrive pas à mettre son E sur le taunt, son Z sur le taunt, il va se faire détruire. Donc Nocturne, c'est pas un danger. Et là, il va juste régénérer un peu plus sur les sbires. Pareil, Nocturne, pas de changement. Ça reste un très bon perso. Enfin, ça reste un très bon perso que Rammus peut affronter. Parce que du coup, ça il peut vraiment complètement l'annihiler. Mais par rapport à ce buff, il n'y a pas de changement. Il va juste gagner des dégâts en plus sur les sbires, sur son passif. Donc, rien de plus concernant Nocturne. Panthéon, par contre. Panthéon, il va être jouable en jungle. Donc, je pense qu'on va peut-être faire des lives ou des vidéos, peut-être récemment sur la chaîne YouTube, prochainement, sur Panthéon jungle. Parce que j'adorais l'ancien Panthéon jungle, et je trouvais assez dommage qu'il soit plus jouable. Donc là, ce qu'ils vont faire, simplement, ils vont augmenter les dégâts sur les monstres. Donc avant, ça affiche 75% de dégâts aux sbires aux monstres. Et maintenant, ça affiche 75% de dégâts aux sbires, et 105% de dégâts aux monstres sur le Q-spell. Donc le Q-spell, c'est le sort qu'on va maxer sur Panthéon, c'est son principal sort de clean en jungle. Donc ça veut juste dire une seule chose, c'est que Panthéon va revenir sur le devant de la scène. Le souci, c'est qu'il me semble que Panthéon, son Q-spell fait des dégâts en fonction des PV max ou de l'armure. Alors, je sais plus trop. On va aller en entraînement rapidement. Parce que Panthéon, je connais pas des masses le personnage. Panthéon. Je pense que c'est ça. Mais il me semble que Panthéon, il a des dégâts en fonction des PV max. Donc, il faut quand même faire attention. Faut quand même faire attention. Je pense qu'il va falloir le surveiller. Très sincèrement. C'est un personnage à surveiller. Alors. Parce que oui, je l'ai monté maîtrise 4, il me semble. S'il est jouable en jungle, je me dois au moins de le monter maîtrise 5. Du coup, le Q-spell, alors on va savoir ça tout de suite. Inflige 76. Excuse-moi, tu peux partir. Merci. 76 points de dégâts physiques aux ennemis touchés. Réduit 60% le dégâts de récupération de cette compétence. Maintenir, il jette la lance, ça fait rien de spécial. Ok. Bon, finalement, il n'y a rien de spécial. Hein. Je pense qu'il y avait la pétition d'armure, mais finalement, on n'en a pas. Ça devrait aller. Hein. J'ai oublié les coups critiques. 25% de leur PV. Ah bah, du coup, j'ai rien dit. Il n'a pas de maîtrise d'armure. Je pensais qu'il en avait. Mais du coup, on est tout bon. Hop là, on va juste baisser le son. Voilà. Bah, du coup, au final, je pensais le mettre à surveiller. Mais au final, Panthéon, ça va. Panthéon ne sera pas un danger pour Rammus. Je pense même que c'est un buff indirect pour ce patch aussi.
Parce que du coup, il y a plein de gens qui vont se mettre à jouer Panthéon. Et en fait, Rammus, avec son Q-spell, il peut cancel le stun de Panthéon. Si Panthéon veut mettre son Z sur Rammus, il va se faire cancel pendant son dash avant de pouvoir le toucher. Donc pareil, c'est un léger nerf. Rammus a des milliards de façons de lui faire des dégâts de par ses dégâts AD. Et puis également comment dire? Les dégâts de Panthéon, en fait, on peut très facilement les esquiver. Avec sa boule, avec tout, Rammus, il a vraiment énormément de moyens. Donc très franchement, si c'est Panthéon qui est jouable en jungle maintenant, ça veut dire que des gens vont se mettre à jouer Panthéon ce patch aussi, en jungle. Et donc ça veut dire que Rammus va pouvoir lui rouler dessus sans aucune forme de respect. Donc c'est un buff indirect pour Rammus. C'est plutôt cool de voir un Panthéon jungle. Ça rajoute un pick AD que Rammus peut détruire en jungle, donc on ne dit pas non. Donc voilà, donc c'est tant mieux, j'ai envie de dire, c'est tant mieux. À présent, on passe à Renata Glask. Renata Glask, c'est un pick extrêmement ennuyeux. Le rachat de la voix du bas, ok. Donc ils vont nerf Renata. Ils vont nerf ses dégâts d'attaque de base. À part le fait qu'on en verra peut-être un petit peu moins, mais sinon, c'est pas dingue. Comme j'ai dit précédemment, Rammus, il a pas du tout de difficulté contre les persos qui se soignent. Par contre, il a des difficultés contre les shields. Donc Renata, elle est ennuyeuse avec son shield. Le Q-spell de Renata, excusez-moi, elle est très ennuyeuse pour Rammus. Parce que c'est un stun qui en plus va le faire reculer. Donc, pareil, ça peut être très facilement gênant pour lui. Son ultime qui va du coup forcer vos alliés à vous attaquer vous-même. Donc si jamais votre ADC vous attaque pendant un teamfight, vous pouvez tuer votre ADC sans faire exprès. Et puis enfin, pour terminer, le revive qui va cancel votre triomphe, qui va cancel votre sustain, et qui va du coup complètement vous détruire si vous tentez des dives. Donc Renata, pendant très longtemps, ça a été un danger pour Rammus. J'en ai pas trop vu. Mais il faut quand même faire attention à Renata. Ce buff ne va pas changer grand-chose. C'est pas un buff indirect. Faut quand même la surveiller. Mais de part, là, je parle vraiment du. Comment dire? Je parle vraiment de la note de patch. Là, je parle pas du champion actuellement. Si je parlais du champion actuellement, faudrait le mettre ici. Voire même là. Mais juste en concernant le buff, le nerf qu'elle vient de se prendre, faut juste, voilà, pas de changement, rien de plus. Renata reste un pick ennuyeux pour Rammus. Séraphine, également, même souci que Renata. Le personnage a des bons shields, elle a quand même du heal, donc on peut quand même s'en servir. Mais pareil, elle a également elle a beaucoup de moyens en fait, de vous ennuyer, pour que vous ne puissiez pas arriver au corps à corps. Donc là, du coup, au niveau du shield, nerf du shield, 25% de votre puissance. Ok. Soin par allié. Donc là, c'est-à-dire que là, ça nerf le shield de 10% de la puissance. Et au niveau du soin par allié, on passe du coup à 0,6% tous les 100 points de puissance des PV manquants. On passe à 0,4% tous les 100 points de puissance par les PV manquants. Elle perd 0,2% pour le soin. J'ai envie de dire quand même léger buff de Rammus, hein, parce que Séraphine c'est très très ennuyeux. Mais vraiment tellement léger, je pense, c'est pas vraiment au niveau du bouclier. C'est pas vraiment au niveau du soin. C'est plus au niveau du bouclier. Donc je pense que voilà, Séraphine, pareil. Pas énormément de changements. Ça va pas impacter le personnage. Sivir par contre, Sivir qui s'est fait du coup rework au dernier patch. Du coup, le Q-spell, donc la lame boomerang, qui passe de 0,25 à 10 secondes pour le délai d'incantation, et qui passe à présent. Ah non, ce qui passe de 0,25 à 0,18, et qui passe à présent de 0,25 à 0,10. Donc ça diminue à mesure la vitesse d'attaque. Donc plus on fait de vitesse d'attaque, plus le Q-spell va s'invoquer rapidement pour faire les dégâts. Ça, c'était juste un bug, donc ça a juste été remis à la normale. Et le ricochet qui à présent fait un peu plus de dégâts aux sbires et qui va exécuter les sbires qui ont moins de 15 PV. Donc ça va juste aider Sivir à push. Ça va aider Sivir comment dire, à avancer sur sa lane. Donc c'est-à-dire que maintenant, Sivir, si elle met un Z sur une wave de sbires, elle va pouvoir la push beaucoup plus rapidement. Ça veut dire que Sivir, comme avant, hein, mais là c'est les sujets encore plus impactants, c'est que du coup elle va être forcée de push sa wave.
elle va être très très avancée sur sa lane. Et donc, si vous souhaitez gank avec Rammus sur une Sivir, déjà c'est quelque chose de très facile à faire. Et donc, bah forcément, plus il y a de Sivir, plus vous ça vous arrange. Je trouve que maintenant, c'est devenu un personnage, c'est même plus jouer létalité, c'est vraiment jouer attack speed. Donc, pareil. Si je regardais, voilà, hop. Sivir, c'est un buff pour Rammus, c'est un très très gros buff. Et donc, j'ai hâte d'en revoir beaucoup sur la faille. C'est un personnage que j'aime affronter, de ce fait-là. Donc, c'est un buff indirect pour Rammus. Parce que plus Sivir va push vite, et plus elle va se ravancer, et plus bah, on pourra la gank facilement. Teemo à présent. Le piège nocif. Stade de croissance en mana. Donc Teemo gagne un peu plus de mana par niveau. Son piège nocif, il gagne de la portée de placement. Qui passe de 400 à 600, qui pourrait être placé du coup un tiers plus loin par rapport à avant. Ça va monter en dégâts également. On passe de 50% de la puissance à 55%. Et le coût en mana qui est réduit par niveau, qui passe de 75 à tous les niveaux, à 75, 55, 35, qui baisse de 20 à chaque niveau. Et ça, c'est à surveiller. Comme j'ai dit, les slows, Riot veut que les personnages mettent plus de slows dans la game. Du coup, les pièges aussi vont impacter ça. Teemo va pouvoir du coup mettre beaucoup plus de pièges, beaucoup plus loin, beaucoup plus avancé. Ça peut ennuyer nos ganks. Et en plus, Teemo, c'est un personnage AP qui fait des dégâts magique, et qui en plus peut cancel nos auto-attaques. Et on le sait tous, Rammus, il a besoin de mettre des auto-attaques pour faire des dégâts. Donc Teemo, pareil, c'est un nerf, enfin c'est un nerf de Rammus indirect, donc va falloir le surveiller. C'est pas un danger non plus, parce que c'est un personnage qui est basé exclusivement sur ses auto-attaques pratiquement pour mettre des dégâts, mais ça reste un personnage à surveiller, et un nerf indirect pour Rammus. Du coup, on va le mettre ici. On arrive vers la fin, il n'y en reste plus beaucoup, je crois. Il y en a juste 3 ou 4. Varus. Varus, un des rares persos AP hybride, un des rares ADC hybride, qui peut être joué AP létalité critique, qui peut vraiment être joué tous les builds possibles. Et ça, je pense que ça va bientôt changer, parce que Riot, ils n'aiment pas trop les builds hybrides. On l'a vu avec Sivir, hein, ils ont complètement détruit Sivir létalité. Maintenant, ça se joue uniquement attack speed critique. Donc Varus n'est pas au top de sa forme, que ce soit au niveau pro ou en philoto. Il reçoit donc un buff simple et efficace qui devrait l'aider, quel que soit son build. Donc dégâts d'attaque de base qui passent de 59 à 62. Pas de changement pour Rammus, si c'était que du coup on verra peut-être un peu plus de joueurs de Varus. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. J'ai envie de dire que voir plus de Varus, ça reste un buff pour Rammus. D'ailleurs, je viens de remarquer que les deux noms se ressemblaient beaucoup, Varus et Rammus. J'avais même pas remarqué. Parce que pour rappel, petit topo rapidement. Le but c'est quand même d'analyser, hein, donc voilà, petite analyse rapide. Déjà, premier temps, Varus gagne de la vitesse d'attaque sur son passif. Très bon point pour un Rammus. Varus, sa flèche, il faut quand même qu'il la charge. Et pendant qu'il la charge, il est slow. Très bon point également pour Rammus qui va l'aider à s'approcher sans prendre trop de risques. Le E de Varus qui réduit les soins reçus par les ennemis. Ça n'impacte pas du tout Rammus, il s'en fout complètement parce que c'est un tank qui n'a pas de soins. Donc ce E de Varus, il va s'en fiche trop complètement. Et pour terminer, le R de Varus, il faut savoir que si Rammus met son Q-spell vers Varus et qu'il se mange un ultime de Varus pour le stun, le Q-spell de Rammus va continuer. Du coup, pareil, ça va pas du tout stopper le go-in de Rammus. Et dans le pire des cas, si jamais vous le voulez vraiment go-in sur Varus, vous mettez votre ultimate et ça va cancel l'ultime de Varus, ça va cancel le stun. Donc Rammus, de base, il n'est pas du tout embêté par Varus. Le seul truc qui pourrait peut-être l'embêter, c'est, il me semble, pareil, on va aller vérifier ça rapidement, c'est que le Z de Varus, il fait des dégâts en pourcentage de PV max. Et si on l'active, c'est pareil. Ah bah tiens, d'ailleurs, j'ai mis au pif contre Rammus. Du coup, on va vérifier ça. J'ai le OK, ça y est. On part un petit coup. Oula, excusez-moi. J'ai le OK. Alors.
Ok. Donc c'est ça. 3% des PV max en dégâts magiques par effet cumulé, jusqu'à 9% des PV max. Ça réduit également la récupération des sorts de base de Varus. Quand on l'active, la prochaine flèche perforante de Varus inflige 6% des PV manquants en dégâts magiques supplémentaires, et ses dégâts sont augmentés jusqu'à 9% des PV manquants. Du coup, j'ai envie de dire, Varus a des réponses contre Rammus. Il a une réponse contre Rammus, c'est son Z. Mais le fait que tous ses autres sorts et son passif se fassent counter par Rammus ou ça n'impacte pas Rammus, j'ai pas envie de dire que ça va impacter grand-chose. Ça reste quand même un léger buff de Rammus indirect. Le fait de voir plus de Varus, ça va vraiment aider Rammus au final. Donc, au niveau du patch, pas de changement. Au niveau du champion, ça reste quand même un buff de Rammus, parce que Varus est pas un très bon champion contre Rammus. Et si tant est que Varus arrive à mettre l'eau Rammus sans mourir, ça veut dire que sa team est derrière et que Rammus est déjà dans la sauce. Donc voilà. Donc, quoi qu'il en soit, pour que Varus mette l'OHP à Rammus pour pouvoir lui faire des gampages de ses PV manquants, il faut vraiment y aller. Et il va très clairement mourir avant. Donc voilà, donc rien de plus à dire. Varus reste un très mauvais pick contre Rammus. On passe à présent à Wukong. Donc comme je dis, bah tiens, j'en ai parlé juste avant par rapport à Jarvan. Wukong, ça n'est pas un pick que je conseille contre Rammus. Certes, il a de la pénétration d'armure sur son Q-spell. Mais pour rappel, la pénétration d'armure s'applique après le Q-spell de Wukong. Du coup, ça va quand même lui mettre des dégâts supplémentaires. Et puis, pour rappel également, Wukong, il a son clone qui va mettre des dégâts avec les auto-attaques. Il a son E qui augmente la vitesse d'attaque. Il a également son passif qui va lui augmenter son armure. Et très clairement, Rammus s'en fiche de son armure. Il veut juste pas que Wukong ait trop de résistance magique. Donc, tant que c'est que de l'armure, ça le gêne pas. Et enfin, pour terminer, l'ultime de Wukong, c'est pas le pire ultime contre Rammus. Rammus a quand même des réponses. Et s'il veut le taunt, il pourra le taunt à la fin de son R. Donc là, on va juste voir le changement. Donc, régénération des PV par effet cumulé. Et donc, du coup, c'est. Réalisation des PV de base, on passe de 0,5 à 0,35. Ouais, bah, du coup, c'est un gros nerf, hein, quand même. Il s'est pris un gros nerf, hein. Parce que, en vrai, déjà que Wukong de base, il a énormément de mal contre Rammus. Le seul truc qui pouvait, à la limite, lui permettre de tanker, c'est justement ce passif de régénération de PV. Pas le passif d'armure, mais le passif qui lui régène des PV. Là, du coup, ce passif s'est fait nerf aussi. Donc, ça veut dire que maintenant, Wukong n'a plus aucune réponse contre Rammus. Il n'a vraiment plus rien. Il n'a vraiment plus rien. Et surtout que déjà de base, que Rammus va rush. Il va rush du coup l'anti-heal. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal à parler ce soir, je sais pas ce qui se passe. Il va rush du coup l'anti-heal. Donc ça reste un léger buff pour Rammus. Wukong est vraiment au fond du trou s'il tombe contre lui. Mais là, le nerf va pas avoir un très gros impact, étant donné que Rammus va déjà rush de l'anti-heal rapidement. Donc, on s'en fiche un petit peu. Donc on va juste mettre ça. Alors Wukong, il est vers le bas. On va le mettre en pas de changement. J'hésite quand même à le mettre en buff indirect, hein. Après, du coup, vu qu'il s'est fait nerf ce patch-ci, ça veut dire que moins de gens vont le jouer. Donc Rammus n'est pas forcément impacté du coup par ce patch. On passe à présent. Il me semble que j'ai vu Yumi. J'ai cru voir le petit chaton là. Ok, le petit chaton. Le petit chaton, du coup, qui se fait nerf ses soins. Donc qui passe du coup de 70 à 150 en late game, de 70 à 150 en late game, mais qui par contre va perdre 5% de son ratio AP sur les soins. En fait, on revient sur le même topo que j'ai dit depuis le début. Rammus, les boucliers magiques, les boucliers d'armure sont ennuyeux pour lui. Tout ce qui est soins, ça l'embête pas trop. Donc, lui, pas de changement. C'est pas un personnage ennuyeux pour Rammus. Très franchement,
J'ai envie de dire changement mineur. Changement très mineur. Ça peut impacter les autres personnages. Hein. Je dis pas là, je parle vraiment pour Ramus, vraiment pour rappeler. C'est, mais je vois des personnes dans le chat qui me disent, mais si, c'est trop fort, Yumi, c'est trop chiant, j'arrive pas à l'affronter, c'est horrible. Oui, certes, je sais que ce Yumi, c'est horrible à affronter. Mais par rapport à Ramus, Ramus s'en fiche complètement de Yumi. Et j'avais même envie de dire qu'il peut cancel très facilement son dash. Donc, Yumi, pas de changement pour le moment. Même si le nerf reste très très acceptable. Et enfin, on termine par Zeri au niveau des personnages. On termine par Zeri. Donc, elle est. Zeri est assez frustrante à affronter à cause de sa capacité à remporter des duels et à éliminer les vagues de sbires, notamment en raison des dégâts supplémentaires qu'elle inflige aux ennemis à qui il reste peu de PV. Nous conservons cette mécanique pour l'aider à achever des sbires, mais nous atténuons cette efficacité générale contre les ennemis affaiblis. Vous pouvez. Donc là, c'est le cube spell. Hein. Vous pouvez exécuter les ennemis qui ont moins de 450 PV. Niveau à 118, plus 18% de votre puissance d'un clic droit. Remarquez, infliger des dégâts aux boucliers et aux ennemis invulnérables ne déclenche pas cette exécution. Ok. Supprimer les attaques clic droit non chargées de Zeri n'infligent plus de dégâts supplémentaires aux ennemis qui sont sous un certain seuil de PV. Et le R qui a du coup un ratio, enfin qui a du coup des dégâts magiques réduits de 5 par niveau. Par contre, le ratio AP ne baisse pas. Zeri. En fait, très souvent avec Zeri, ce qui se passe, c'est qu'avec Ramus, étant donné que son. Ses deux attaques, en fait, c'est son Q-spell, et bah, du coup, Zeri n'est pas impacté par Ramus, malheureusement. C'est même le meilleur ADC, je pense, contre Ramus, de par du coup ce passif, qui fait que si jamais vous allez. Taunt une Zeri. Le taunt de Zeri, elle va s'en foutre complètement. Ça veut juste lui enlever son passif. Par contre, vu que c'est son Q-spell, ses auto-attaques, bah, le taunt ne va pas la forcer à mettre des Q-spells. Donc Zeri, c'est un personnage qui est assez safe contre Ramus. Le seul truc qui pouvait être ennuyeux, c'était limite ses dégâts magiques, parce qu'il y a des gens qui l'ont joué AP. Là, du coup, ça va peut-être réduire un petit peu tout ce qui est Zeri AP sur la faille. Mais à part ça, Zeri reste un bon counter-pick à Ramus, ça reste une bonne réponse en tant qu'ADC. Donc il n'y a pas vraiment de changement pour elle par rapport à tout ça. Et du coup, je pense qu'on a fini pour les champions. Là, on va passer du coup aux objets. Du coup, petit récap pour les champions. Alors, il faut quand même surveiller GP, Jarvan et Teemo. Ramus a quand même des réponses contre ces trois champions-là. Du coup, c'est pas vraiment un danger. C'est pas vraiment un danger, donc il faut juste faire attention. Ils sont légèrement plus impactants. La majorité des champions de ce patch, ils ont été soit nerf, soit buff un petit peu par rapport à Ramus, mais de par soit leur kit de sort ou leur gameplay, ça s'équilibre en fait. Du coup, il n'y a pas réellement de changement impactant. Et par contre, les changements sur Sivir et les changements sur Panthéon sont des buffs indirects de Ramus. Bon, pas des buffs directs de par le kit de sort, là c'est vraiment complètement différent. Panthéon, c'est juste parce que voilà, des Panthéon jungle, Ramus il en raffole, ça va être très très bien pour lui si jamais les gens le jouent. Et du coup, le fait que Sivir va push beaucoup plus rapidement les vagues de sbires, ça va aider Ramus à gank sur les lanes. Donc voilà, ces deux champions-là, ils n'ont pas été une buff pour Ramus par rapport à leur stat, mais c'est vraiment par rapport au playstyle qui va être complètement changé. À présent, on passe aux items. Les items, il y a pas mal de choses. Là, vous voyez, la note de patch, on est à peine à la moitié. Épée, dentelée, chimie, copunk. Dégâts, coût de combinaison, ça passe de 300 à 500. Et du coup, le coût total qui passe de 200 gold. Ça réduit d'anti-heal. Ramus, il s'en fout. Il a pas de soin. Donc, très clairement, cet item, ça va rien changer. Ça va rien changer pour Ramus. Voilà, ça va rien changer. C'est ni un buff, ni un nerf. On s'en fiche complètement. Hop, on est arrivé ici. Je vais le mettre à la fin. Ok. Ensuite, objet d'enchanteur. Donc l'idole interdite. Donc là, ça va compter tous les items d'enchanteur. Donc c'est-à-dire tous les items soins, support. Et on voit du coup que tous ces items-là
ont été réduits de 10 et 4% pour l'item fini. Donc c'est-à-dire les dents interdites qui passent de 10 à 8%, Encensoir Ardent qui passe de 10 à 8%, Bénédiction de Mickaël qui passe de 20 à 16% d'efficacité de soins des boucliers, la Rédemption qui passe de 20 à 16%, le bâton des flots qui passe de 10 à 8%, et le Régénérateur de Pierre de Lune pour finir, qui passe des effets cumulés max de 5 à 4 pour pouvoir soigner. Donc il va soigner un petit peu moins, mais il va se stack au maximum beaucoup plus rapidement. Ces items soins, le nerf des soins, il est cool, mais ça n'a pas changé grand-chose. Par contre, le nerf des boucliers, très très important pour Ramus, ça va beaucoup l'aider à aller chercher les ADC, à aller ennuyer, à aller tuer les AD Carry, même s'ils ont des boucliers derrière, s'il y a des Lulu, s'il y a des Renata, s'il y a des Janna, Ramus aura quand même des réponses, et le nerf de ses boucliers reste un buff pour lui. Donc je vais mettre le Mickaël pour représenter ça. Où est-ce qu'il est, le Mickaël ? Toc-toc-toc. Donc, ce nerf des soins, enfin le nerf des boucliers, est un buff indirect de Ramus. On arrive à présent à l'égide solaire. L'égide solaire qui est devenu un puissant deuxième objet pour les champions DPS, bien que les combattants soient rabattus sur d'autres objets de tank par le passé. L'égide solaire est l'objet qui offre le plus de stats et de dégâts comparé aux autres options. Nous ajustons donc l'égide solaire pour que ces dégâts dépendent davantage du nombre de PV que vous accumulez. Là, du coup, comment dire, dégâts d'immolation, on passe du coup de 12 à 30 selon le niveau, avec 1% des PV bonus, à 15 à tous les niveaux, et on passe à 1,75 de vos PV bonus. Donc là, c'est pour enlever un petit peu tout ce qu'il y avait, parce qu'il y avait Janna qui faisait ça. Il y avait Diana, donc la meuf avec ses croissants de lune, là, qui faisait ce système-là beaucoup. On voyait quasiment que ça, des Diana avec l'égide solaire. Là, du coup, c'est très cool parce qu'elle ne sera plus du tout jouable, parce que ça va vraiment être buff pour les tanks. Et ça va passer, du coup, à 1,5% des PV bonus. Et donc, du coup, ça va également être buff en early game. Voilà. Je pense que, voilà, on passe quand même à 15. Donc, ça veut dire qu'en early game, c'est un léger buff. Donc, c'est plutôt sympa. Ça va pas nerf les junglers tanks en général. Par contre, en late game, on perd des dégâts. Mais plus on fera de PV, donc plus on va scale sur le late game, plus on va gagner de dégâts. Et ça, c'est très très cool, parce qu'on gagne quand même 0,75% de vos PV bonus en dégâts. Donc ça veut dire qu'au final, dans les statistiques pures, en early game, on va perdre des dégâts. Et au final, en fin de partie, on en aura gagné. Donc l'égide solaire, qui sera un très 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 bon item de fin de partie pour Ramus. Voilà, donc item tank qui a été buff pour Ramus, ça va être vraiment très très cool. Du coup, elle est où ? Elle est où ? Elle est ici, je crois. Où est-ce qu'elle est, l'égide solaire ? Elle est ici. C'est un gros buff pour Ramus. Très 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 gros buff. Surtout qu'après, on va parler des runes. Restez bien, c'est mais vous êtes... Comment dire ? Oh non, je viens de voir que le truc était mal mis. Quel enfer. Hop ! Le cadre était mal mis. Ça se voit pas, en fait, sur le retour. Mais enfin, ça se voit pas sur le Twitch. Sur l'OBS, mais ça se voit sur le retour, malheureusement. Je crois que ça vous a pas trop perturbé, du coup. Du coup, voilà, très gros buff de Ramus. Et restez bien jusqu'à la fin quand on parlera des runes. Ou n'hésitez pas à avancer jusqu'à ce moment-là. Parce qu'il va y avoir des très, très gros changements sur les runes pour Ramus. Je pense que c'est des choses qu'il va falloir modifier. Et donc, du coup, c'est tout pour les items. Donc, plutôt sympa. Item enchanteur qui a été nerf, l'égide solaire qui a été nerf, l'épée d'enclet qui n'apporte pas de gros changements. Donc pour l'instant, on est bien. On est plutôt bien. Là, du coup, on arrive aux runes, excusez-moi. On arrive aux runes. Je pense pas que ça arrive aussitôt, du coup. Du coup, on va la mettre celle-là. Voilà. Les potions qui ont moins de PV rendus. Potions rechargeables qui passent de 125 à 100. Et la potion de corruption qui passe de 125 à 100. Du coup, ça réduit juste de 20, 25, 25 tous les soins des potions. Énormément de changements, hein. Ça peut ennuyer les laners, les junglers un petit peu moins. Peut-être Ramus, ça peut être l'ennuyer un petit peu parce qu'il n'a pas de soins dans la jungle, en dehors du red buff. Mais après, c'est un jungler qui fait extrêmement facilement les camps, il prend quasiment pas de dégâts sur les camps au bout d'un moment. Donc, le nerf de la potion rechargeable, ça va pas l'impacter.
Par contre, petit aparté, ça peut impacter Yvern, parce qu'Yvern a besoin énormément de cette potion de soin pour pouvoir générer ses HP dans la jungle. Mais à part ce champion-là, les autres junglers sont pas forcément impactés. La livraison de biscuits, c'est un truc qui est fait surtout pour les laners, donc je vais pas en parler. Juste les PV rendus qui vont être baissés de 2% et le mana rendu qui va être baissé également de 2%. Et la hausse de mana max qui va du coup être également baissée de 10, qui a passé de 50 à 40. Donc les biscuits, pour Ramus, il n'y a pas de changement. On va laisser ça là. Il n'y a pas de changement. La plaque d'host, qui a du coup un délai de récupération augmenté de 10 secondes, qui passe de 45 à 55. La plaque d'os, c'est pas quelque chose qu'on va faire sur Ramus. Donc on s'en fiche un petit peu. La plaque d'os, on s'en fout complètement. Donc là, pareil, on va la mettre en moyen. C'est pas quelque chose de très très ennuyeux. Surtout qu'en plus, la plupart des personnages qui font ça, c'est les combattants et les tanks. Donc pour Ramus, c'est pas non plus un buff. Parce que c'est pas un personnage qui va très facilement tuer les combattants et les tanks. Donc on va laisser ça en moyen. Il n'y a pas beaucoup de changements de par cette rune. On passe à présent à conditionnement. Et c'est là où je voulais en venir. Cette rune conditionnement. Ça me fait pleurer. J'ai envie de pleurer juste en voyant ça. La réduction des résistances. Qui va passer du coup de 9 d'armure. Excusez-moi. Je commence à manquer d'air. Qui passe du coup de 9 d'armure et de résistance magique à 8 d'armure et de résistance magique. Et ça va également baisser le pourcentage de 4% d'augmentation des totales d'armure et de résistance magique. On passe de 4% à 3%. Du coup, on perd quand même 1%. Et on s'en rend pas compte, mais sur Ramus, 1% de son armure et de sa résistance magique totale, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Parce que pour rappel, cette rune-là, elle est buff par les items de Ramus, par le lutopastron de la gargouille, et par également son Z. Et donc 1% de tout s'accumuler, c'est juste énorme. Ça va vraiment nerf votre résistance, nerf vos dégâts. Va falloir du coup, je pense que je vais essayer d'aller faire quelques petits entraînements dans le mode practice pour essayer de voir le nombre de coups de tour que je peux tanker. Mais du coup, voilà, va vraiment falloir faire très très attention. Va falloir revoir ses dégâts à la baisse, revoir sa résistance à la baisse. Parce que cette rune, ce nerf de cette rune, c'est un énorme nerf pour Ramus. C'est même des plus gros nerfs que j'ai vu depuis très longtemps. Donc, cette rune-là, va falloir faire très très attention. C'est un nerf colossal. J'espère en tout cas que ça va pas non plus tuer le champion. Ramus reste quand même fort. Hein. Le buff de la côte épineuse qui passe de 10 à 20% de son armure, c'est complètement abusé. Ça reste abusé encore aujourd'hui. Mais la rune conditionnement qui s'est fait nerf, là c'est pas vraiment. Parce que la côte épineuse était un buff très précis. C'était vraiment un buff sur les dégâts de Ramus. Le conditionnement, le nerf de cette rune, c'est un nerf général en fait. C'est un nerf général qui va du coup impacter ses résistances, ses dégâts, sa ténacité, mais également son impact en late game. Donc ce nerf de la rune conditionnement, va falloir faire attention. Donc très clairement, c'est un gros gros nerf pour Ramus. On passe à présent à la rune gardien. Rune gardien, Ramus il s'en fout complètement. Complètement. C'est pas... Même si on saute sur la décarie, ça va juste proc sur votre Q-spell, le gardien. Et puis après, vous allez juste mettre des dégâts toutes les secondes en fait avec votre Z. Donc le gardien peut tanker une seconde de vos dégâts, mais il va pas tanker plus. Donc ce buff du gardien, surtout que c'est un buff early game. Enfin non, c'est un nerf early game. C'est pas un nerf de... C'est un nerf de récupération. Donc ça va rien changer. Ça va rien changer du tout pour Ramus. Il s'en fiche de cette rune, il l'utilise quasiment pas. La brûlure qui a été légèrement buff, de 5 points de dégâts, pareil. Hein. La brûlure, Ramus, il a de quoi tanker ça. Ça va pas le déranger. Pas de changement pour la brûlure. On passe à présent au second souffle. Second souffle qui n'est pas une rune utilisée par Ramus, qui est utilisée en top lane. Qui peut être utilisée en top lane si vraiment on sent qu'on en a besoin. Mais du coup... C'est vraiment pas... Non, ça va rien changer. Hein.
Sincèrement, ça va rien changer pour lui. Peut-être un léger nerf parce que ça reste une rune tank, mais. Soit il s'en fiche complètement. Voilà, second souffle, c'est pareil. C'est pas une rune qu'il veut utiliser. Donc on va pas s'en servir. La rune rouille offensive qui donne du coup de la pénétration magique et de la létalité. La létalité, c'est pas une stat très très dangereuse. Ça peut l'être. Mais c'est pas une stat très dangereuse. Par contre, la pénétration magique qui peut également être ennuyeuse. Ça reste quand même des dégâts supplémentaires qu'un ennemi pourra infliger pour Rammus. J'ai pas envie de dire que c'est un gros nerf de Rammus, mais il faut quand même faire attention. Cette augmentation de la rouille offensive va falloir quand même faire gaffe. Donc je pense qu'on peut la mettre quand même ici, dans le mauvais. Parce que ça reste une augmentation de tout ce qui est pénétration d'armure, enfin tout ce qui est létalité, et de tout ce qui est pénétration magique. Donc ça reste quand même un léger nerf de Rammus, sans pour autant être insane. Il faudra juste faire attention. Et enfin, on termine avec les runes par inébranlable. Et là, c'est le deuxième coup de grâce. On a d'abord eu un gros coup dur avec le nerf de la rune conditionnement. Mais là, ce nerf de la rune inébranlable, c'est juste pas possible. Donc là, du coup, on passe en résistance de ralentissement et de ténacité de 10-30% selon vos PV manquants à 5-25% selon vos PV manquants. Et ça, c'est absolument énorme. Et je pense même que Rammus va du coup devoir arrêter de faire cette rune. C'est plus une rune qui va être impactante pour lui. Je vais vous montrer la page de rune que je vais vous conseiller de faire à présent. Donc ça, du coup, pareil. Hein. C'est un nerf absolument énorme. Et donc, je vais vous montrer rapidement, si ça vous intéresse pour YouTube ou pour Twitch, la page de rune que moi, je pense faire. On va aller ici. Alors, c'est ici les runes. Hop. Voilà. On va supprimer ça. Alors, la page de rune que je faisais, que je fais habituellement depuis maintenant plus d'un an sur Rammus, c'est du coup après coup, fontaine de vie, conditionnement, inébranlable, et en secondaire, on prend des forcément triomphe, légende de la crité, parce que Rammus est un personnage qui a besoin d'avoir beaucoup de vitesse d'attaque pour pouvoir appliquer son passif. Et ensuite, on prenait juste vitesse d'attaque, armure, armure. Voilà, ça c'est la page de Rammus classique qu'on prenait avant. Premièrement, la rune conditionnement a été nerf, mais je pense que contrairement aux deux autres, déjà le second souffle a également été nerf, donc très clairement second souffle, on ne le fera pas. C'est une très mauvaise rune dans le jungle de toute façon, donc dans tous les cas on ne la fera pas. Et la plaque d'os c'est pareil, on a déjà l'après-coup couplé à notre Z, donc on peut déjà tanker très facilement les dégâts qu'on va prendre en début de fight. Donc la plaque d'os n'est pas du tout efficace, on va quand même garder le conditionnement, qui reste même encore aujourd'hui une rune god tier sur Rammus. Par contre, inébranlable, il va falloir s'en passer pour deux raisons. Le nerf de ténacité, on a également la rune légende ténacité, qui a également des bonnes stats. Où là, on gagne 5% de ténacité, plus 2,25% par effet légende cumulé, max 10. Et donc, on passe au total de stats cumulés à 25%. Vous avez vu, là, j'ai réussi à faire le calcul. Tout à l'heure, j'ai pas réussi, attention. Là, je suis un peu plus réveillé, du coup. Mais du coup, on passe du coup de 2,5 x 10, on passe du coup à 25%. Et donc, ça veut dire qu'avant, la rune inébranlable, elle était, si on était low HP, elle était du coup à 30%. Donc, elle était beaucoup plus intéressante, parce que dès l'early game, si on était low HP, on arrivait à ces 30%. Là, maintenant, on va seulement avoir 25%. Du coup, ça veut dire que la rune Légende Ténacité, qui, elle, peut atteindre les 30% avec les 5% plus les 25%, pourra du coup être beaucoup plus impactante en late game. Du coup, ça veut dire qu'il va falloir jouer Rammus un peu plus late game, faudra être beaucoup moins agressif sur l'early game, et beaucoup plus jouer la fin de partie. Donc du coup, moi là, ce que je vous conseille, c'est de toujours prendre Légende de Triomphe, et de partir sur Légende Ténacité, et de ne plus prendre Inébranlable. Et donc du coup, là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on prend du coup à la place d'Inébranlable? Et là, du coup, si vous avez suivi le live, si vous avez suivi la vidéo depuis le début, vous savez que l'item Tank, donc cet item-ci, l'égide solaire, elle a été buff, donc ça passe de 1% des PV bonus à 1,75% des PV bonus pour les dégâts. Donc ça a été extrêmement buff pour les tanks qui font beaucoup d'HP. Le point négatif de Rammus, c'est que c'est un tank qui, lui, fait beaucoup de résistance.
Rammus va pas faire énormément beaucoup d'HP. Il va en faire, hein, certes, il va faire beaucoup d'items qui donnent des PV à côté de ça. Mais c'est clairement pas les PV, c'est clairement pas la Warmog, c'est clairement pas le... Comment on appelle ça ? La chaîne de l'anathème, ces items-là qu'on va faire. Du coup, on va quand même avoir besoin de ces PV-là. Et donc, ces PV, on va les retrouver tout simplement dans la rune surcroissance. Voilà. Et donc là, vous avez ici la page de rune à faire sur Rammus. Selon moi, maintenant. Comment dire ? Premièrement, ça veut dire que vous n'avez plus les gens dans la crité. Les gens dans la crité qui étaient très utiles pour faire le clean de jungle. Donc pareil, vous aurez un moins bon clean. Vous aurez toujours un bon clean, mais il sera beaucoup moins bon. Vous aurez beaucoup moins de ténacité en early game. Par contre, vous en aurez plus en late game, sur le long terme. Et vous aurez également... Vous aurez également moins de... De PV en early game. Il va falloir les stack, les PV. Il va falloir jouer sur le farm, toutes ces choses-là. De ce fait, pour conclure, par rapport à ces runes, avec Rammus, jouez beaucoup moins agressif maintenant. Jouez beaucoup, beaucoup moins agressif qu'avant. Essayez vraiment de stacker vos runes, de stacker vos items. Faites des ganks, pas des ganks impactants, mais des ganks efficaces pour stack la légende ténacité et stack la surcroissance. Non, pas stack la surcroissance, parce que la surcroissance, vous stack uniquement sur les sbires. Mais du coup, stackez vraiment la légende ténacité sur vos ennemis. Et là, il faut vraiment jouer sur le late game. Donc voilà. C'est tout, on va clore le sujet là-dessus. Mais maintenant, faites cette page de rune-là, je vous la conseille. Je pense que c'est la meilleure. La surcroissance synergise beaucoup avec l'item de l'égide solaire. Ça va vous aider à tanker un peu plus de par le nerf de conditionnement. Ça va également vous tanker, vous aider à avoir beaucoup plus de ténacité en allié avec la légende ténacité. Voilà. Et du coup, faites attention au clean. Donc là, je vais la garder, cette page de rune, on va l'appeler... New Rune Rammus. Voilà. De toute façon, je pense qu'on va la tester. On va la tester soit en vidéo, soit en live sur la chaîne YouTube. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On fera du coup le point là-dessus. Hop là. Du coup, c'est tout pour les runes. Il y avait également, voilà, j'ai oublié d'en parler. J'étais tellement focus là-dessus que j'ai oublié de parler du filtre de chrono-distorsion. Pareil, le filtre de chrono-distorsion. Rammus ne le fait jamais, ça lui sert à rien. Même en jungle, même pour les jungles en général, les junglers ne font pas cette rune. Donc, la chrono-distorsion, pareil, on s'en fiche complètement. Donc, il n'y a eu aucun buff par rapport aux runes, par rapport à Rammus, il n'y a eu aucun buff. Par contre, il y a eu des gros, gros nerfs. Et il y a eu un petit buff également de la rune... Alors, j'ai oublié le nom. Ruée offensive. Donc voilà, il va falloir faire gaffe sur ces runes-là. Et on va donc terminer... J'ai plus de voix. Ça a duré quasiment une heure, là, plus d'une heure. Mais du coup, j'aurais fait une analyse de vraiment tout en général. Châtiment éclairé, on s'en fout. C'est pas un smite qu'on va faire sur Rammus. Parce qu'on a... le but, c'est pas de réduire les dégâts des ennemis. Le but, c'est vraiment de rester au corps à corps. Du coup, le smite bleu sera privilégié 100% du temps. C'est toujours le smite bleu qu'on fera sur Rammus. Donc au niveau du châtiment, on passe, pas de changement. Ça peut être efficace, ça peut être cool pour les autres junglers, mais... Parce que les junglers duelistes, enfin les junglers assassins, vont du coup avoir un peu plus de possibilités contre les duelistes. Donc la réduction des dégâts sur la cible vont passer du coup de 20 à 10%. Donc ça va du coup réduire les dégâts de moitié. Enfin réduire la réduction des dégâts de moitié. Et pour terminer, on passe du coup à la fatigue, à l'exhaust. Donc récemment, la fatigue est devenue très courante chez les tireurs, ce qui complique un peu trop les éliminations des supports enchanteurs sur la voie du bas. Nous réduisons donc son efficacité pour qu'il soit un peu moins fatigant. Petit jeu de mots, en tout cas, ça fait plaisir. Donc là, la réduction des dégâts de la cible qui passe du coup de 40 à 35%. C'est cool. Crache pas dessus, c'est cool, c'est sympa. Ça peut buff indirectement tous les champions. Hein, en soi, ce nerf va buff indirectement tous les champions qui jouent contre cette rune. Ça du coup nerf un petit peu les ADC, ça va nerf les supports,
Mais pour tout ce qui est jungle, ça va buff. Donc, tant mieux. Par contre, du coup, les ralentissements, le ralentissement qui n'a pas été changé, comme j'ai dit au tout début du patch, Riot Games a envie d'augmenter les ralentissements. Ça se ressent. Ils veulent certainement pas les nerfs, en tout cas. Donc la fatigue qui garde quand même son côté ennuyeux pour Rammus de par la fatigue, de par le ralentissement. Et étant donné qu'on fera plus du coup la rune inébranlable qui réduit les ralentissements, ça peut être ennuyeux. Ça peut être ennuyeux. Donc bon, voilà, je pense qu'on va rester là-dessus. Et la fatigue du coup, mon topo là-dessus, c'est juste... c'est sympa. Pas de buff, pas de nerf. Juste c'est sympa. Ça va juste nous aider les junglers à faire un peu plus des ganks efficaces en botlane. The next day. Ok, ok, on est parti. Bon, du coup, de retour pour eh bien, du coup, la note de patch. Donc on s'était arrêté, si je ne me trompe pas. Juste vérifier au niveau du son. Ok, tout est bon, tout est bon. On va mettre un petit peu de musique. Et on est reparti. Alors du coup, pour ceux qui sont sur YouTube, vous avez sûrement une coupure, c'est normal. C'est parce qu'en fait, normalement, la vidéo aurait dû sortir hier. Normalement, je devais la sortir le 26. Le 26 vers 22h à peu près. Sauf qu'en fait, j'ai eu un hoquet okay de malade. J'arrivais pas à arrêter mon hoquet. Okay. Et du coup, c'était impossible de continuer le live, malheureusement. Du coup, c'est pour ça, là, c'est la partie 2. C'est la partie 2 pour Twitch. On est du coup le 27. Notre de patch vient de sortir. Donc, notre de patch est active. Et donc, du coup, on va terminer là où on s'était arrêté par le dragon. La musique est un petit peu forte. On va s'arrêter, on va du coup terminer par les dragons. On n'avait pas grand chose à dire, mais c'est des gros changements. Donc je tenais vraiment à revenir dessus. Donc premièrement, le dragon infernal. Comme on a dit, un pourcentage des PV actuels en dégâts par attaque. Donc au lieu de faire 7%, il va faire 5%, il va faire un petit peu moins de dégâts. Par contre, il va avoir beaucoup plus d'HP et beaucoup plus d'HP par niveau. C'est-à-dire qu'il va passer de 2650 à 3450. Donc il va gagner 800 HP. Il va également gagner 240, il va passer du coup à 380 par niveau. Donc il va vraiment step up avec le niveau, vraiment falloir se dépêcher de faire les dragons. Et ça peut faire revenir Shyvana sur le devant de la scène, Shyvana AD. Parce que c'est comme pour rappel, c'est le personnage qui fait le mieux les dragons du jeu. Et également les PV après la transformation de la faille, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait les deux premiers dragons, la faille va se transformer. Et là du coup le dragon va passer de 4350 HP à 6950 HP. Donc vraiment c'est énorme. Les HP par niveau ne vont pas changer. Par contre les HP de base ont énormément évolué. Donc les dragons vont être beaucoup plus durs à faire. Notamment pour Rammus. Parce que pour rappel, Rammus c'est un des junglers qui fait le moins bien les dragons. Bon, toi qui les fait le plus de temps. Parce qu'il galère vraiment à taper les dragons. Donc ça peut être un souci pour lui. On va vraiment avoir besoin de notre équipe désormais pour faire les drakes. Donc faudra du coup faire très attention. Avec Rammus. On passe à présent au dragon des nuages. Donc ça c'est pas seulement que pour le dragon infernal, c'est pour tous les dragons. Hein. C'est vraiment chiant pour tous les dragons. Donc c'est vraiment les dragons en général. Désormais le dragon des nuages va faire un petit peu moins de dégâts d'attaque. Par contre au niveau des buffs qu'il va octroyer, avec son buff de tueur de dragon, au lieu d'avoir 3,5% de résistance au ralentissement et de vitesse de déplacement en dehors des combats, ça va passer désormais à 7%. Du coup, c'est doublé, tout simplement. Ils ont doublé le bonus. Donc ça veut dire que désormais, on va vraiment courir super vite sur un dragon des nuages. Et également, quand on a l'âme du dragon des nuages, on passe de 10% de vitesse de déplacement bonus et 50% de vitesse de déplacement bonus en deux, à peu près pendant les 6 secondes après avoir lancé notre ultime. On passe désormais à 15% et 50%. Donc on va gagner 5% de vitesse de déplacement bonus en dehors des combats. Donc ça, c'est vraiment fort également, 5%, c'est pas négligeable. Donc pour Rammus, ce dragon-là, il va être extrêmement important. Si on arrive à le faire, les 7% de résistance au ralentissement, ça va juste être complètement insane. Ça va viser énormément. Et ça pourra également rattraper le fait que vous n'ayez pas la rune... Alors ça y est, j'ai oublié le nom déjà. Je l'avais fait dans la page de rune, du coup. Hop, hop, hop. Que vous n'ayez pas la rune... Inébranlable. Ouais, c'est ça. Bah oui, mais c'est broken, hein. Là ça va être broken. Mais je sais pas si t'as vu du coup par rapport à Rammus, vu que je sais que tu le jouais un petit peu,
Là, faut changer cette page. Je ne fais cette bâche de rune maintenant. Si t'as moyen de screen ou juste de voir rapidement. Parce que là, avec les changements de patch, ils ont hard nerf inébranlable. Genre, tu vois, maintenant, inébranlable. Avant, c'était 10% ténacité et 30% quand t'étais au max. Et ils ont changé ça. Maintenant, c'est. Tac, tac, tac. C'est 5 et 25%. Du coup, faut plus du tout jouer inébranlable sur Ramus maintenant. Et pareil, ils ont également nerf conditionnement. Donc, ils ont baissé de 1 point ses résistances. Et ils ont. Bah, attends, je peux agrandir un petit peu. Hop là. Voilà, ils ont baissé de 1 point ses résistances. Et ils ont baissé de 1% bah, les bonus après, après les 10 minutes, je crois. Du coup, vraiment, ça va être ultra galère. Du coup, j'ai complètement changé la page de rune. Je vais te faire un petit topo, du coup, juste pour toi. Alors, hop. On va retourner là-dessus. Du coup, maintenant, faut plus prendre inébranlable. Faut prendre légende ténacité à la place de légende alacrité. Parce que du coup, légende ténacité, tu peux atteindre les 30%. Alors que maintenant, inébranlable, tu peux plus du tout l'atteindre. Et du coup, maintenant, il faut prendre surcroissance. Tout simplement. Tu prends surcroissance et avec l'item... la cape solaire qui a été buff. La rune surcroissante va être beaucoup plus impactante sur tes games. Voilà, voilà. Bon, tu prends toujours conditionnant parce que ça reste quand même la meilleure rune sur Ramus, mais même si c'est fait nerf. Mais c'est juste ces deux runes-là qu'il faut changer. Voilà, voilà. Du coup, on retourne sur les drakes rapidement. Hop. Du coup, on passe présent au dragon Axtech. Du coup, dragon des nuages, j'ai aussi fait une tier list. Alors, la tier list, elle est ici. Du coup, maintenant, le dragon des nuages, il va vraiment être buff hein, pour Ramus. C'est un énorme buff pour lui. Les résistances au ralentissement vont être absolument insane. C'est vraiment ce dont Ramus a besoin. Donc, dragon de l'air qui a été bien, bien buff pour Ramus. Surtout que, pour rappel, le dragon de l'air, c'est le dragon que Ramus fait le plus facilement parce que le dragon de l'air attaque extrêmement vite. Un petit peu comme le dragon Axtech. Donc, je dirais pas que c'est facile à le faire pour Ramus, mais c'est en tout cas le plus facile à faire pour lui. On passe à présent au dragon Axtech. Là, du coup, pareil, ses dégâts d'attaque qui ont été baissés. Mais ça, c'est vraiment super cool. Hein, le fait qu'il baisse les dégâts d'attaque des dragons, mais qu'il ne baisse pas leur vitesse d'attaque, ça veut dire qu'avec Ramus, tu prendras moins de dégâts. Par contre, tu le feras toujours aussi rapidement. Avec ta côté punaise, avec ton Z. Après, les bottes de Mercure, tu les fais rarement. Très sincèrement, avec tes runes. Avec tes runes. Bah là, maintenant, tu prends les gens ténacité, mais avant, tu prenais. Tu prenais inébranlable, t'avais déjà largement assez de ténacité dans tes runes et dans certains de tes items. Parce que vu que tu fais la cape solaire donne aussi de la ténacité. Donc moi je faisais rarement les bottes de mercure en vrai. Ah ouais, sur d'autres champs aussi. Sur d'autres champs aussi, oui. Après, bottes de mercure, ça reste quand même bien. Parce que ça réduit que les ralentissements. Du coup, ça réduit pas les stuns. Donc je pense que les mercures, ça reste quand même pas mal. Là, tu vois, c'est que résistance au ralentissement. C'est pas résistance aux stuns et aux étourdissements, des trucs comme ça. Je pense que les bottes de Mercure sont toujours aussi bien. C'est plus les bottes... comment on appelle ça? Ah, j'oublie toujours le nom de ces bottes, là. Les bottes de qui réduisent justement les ralentissements. Hop. Hop. Bottes. Celle-ci. Les bottes de célérité. Je pense que c'est surtout les bottes de célérité qui vont prendre bien cher. Parce que si tu sais que t'as des drakes de l'air, bah, y a plus grand monde qui va faire ce genre de bottes, quoi. Je pense même que les bottes de célérité devraient les changer, en vrai. Ils devraient les changer. Parce que maintenant, il y a tellement de runes, il y a tellement d'items, il y a aussi la... Hop, hop. Il y a aussi les gîtes solaires, maintenant, qui donnent de la résistance au ralentissement. Donc, 5% par objet mythique, tu peux arriver à 25%, sans compter les runes, sans compter les drakes. Je pense très clairement c'est plus ces bottes-là qui vont prendre cher plutôt que les bottes de mercure. Et je pense même que ces bottes-là, ils devraient les modifier en vrai. Ils devraient clairement les modifier. Mettre un autre bonus, tu vois. Peut-être garder le bonus de résistance au ralentissement, mais mettre un deuxième autre bonus, donc je sais pas moi s'ils pourraient mettre... Je sais pas moi. J'ai pas d'idée là maintenant tout de suite, mais. Ouais, il pourrait changer ces bottes là, je pense. Hein. Il y a moyen de faire des choses un petit peu mieux. Surtout qu'elles doivent pas être très très faites hein, comme bottes. Je sais pas s'il y a moyen de.
objet. Ah voilà, hein, popularité. Ouais, elles sont quand même assez populaires. Alors je vois pourquoi elles sont assez populaires. Ah mince, je suis Ramus, c'est pour ça. Forcément. Si on fait pour tous les champions. Ça m'étonnait là d'un seul coup. Voire plus. Voilà, elles sont vraiment pas du tout populaires. Hein. Comparément à toutes les autres. On voit ici l'écart quand même. Hein. L'écart qui passe quand même d'un seul coup de 11,2 à 3,9. Et après, les bottes de mobilité, pareil. Les bottes de mobilité, elles sont faites par certains supports et certains jungles, mais... Clairement... Hein. Ah non. Je pense que ces bottes-là, il y a moyen de les modifier un petit peu. Enfin bref, on va continuer. Du coup, dragon des nuages, très très bien pour Ramus. Dragon X-Tech, vitesse de déplacement, vitesse d'attaque et d'accélération de compétences, ça passe de 6% à 9%. Ça, c'est super dans les deux cas, parce que si les ennemis ont un dragon X-Tech, les ADC, les combattants et certains autres personnages vont vous attaquer beaucoup beaucoup plus vite. Et donc, pour vous, c'est un énorme buff. Et à l'inverse, si c'est Ramus qui a le dragon, bah pareil, ça sera un buff pour vous parce que Ramus fonctionne beaucoup avec la vitesse d'attaque. Et donc là, pareil, si jamais vous arrivez à avoir ce dragon-là, ça va vous aider énormément à pouvoir appliquer votre passif sur les ennemis. Donc très 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 bon buff du dragon X-Tech. Donc là, hop, le dragon X-Tech. Je sais pas s'il est ici. Je ne le vois pas. Non, il est pas ici. Il est pas ici. Mais en tout cas, le dragon X-Tech qui est vraiment très très bien buff pour ce patch. Je sais pas si on peut se pourrait remplir par le dragon X-Tech. Pas grand chose. Ouais, non, pour pas le remplacer. Mais en tout cas, dragon X-Tech, que vous l'ayez dans votre équipe ou que vous l'ayez ou que les ennemis l'aient contre vous, ça sera dans les deux cas, ce sera pas mal pour vous. Donc, faudra juste faire attention à l'accélération de compétences pour les mages. Faudra très vite taunt les mages pour pas qu'ils vous mettent trop de compétences. Mais à part ça, dragon X-Tech, ça reste quand même un buff de Ramus indirect. On passe à présent au dragon infernal qui passe du coup de 4% de ses dégâts d'attaque à 6% de ses dégâts d'attaque bonus. Là pareil, un petit buff de 2%. Ses dégâts d'attaque qui ont été également baissés. Ça paraît assez cool. J'ai pas envie de dire que c'est un buff de Ramus parce que du coup là, on va avoir un peu moins de résistance en early game. Donc faudra faire assez attention. Donc j'ai pas envie de dire que c'est un buff indirect de Ramus parce que le personnage a quand même du mal contre les personnages qui ont beaucoup d'AD. Et si jamais les ennemis font de la pénétration d'armure, l'AD supplémentaire va les aider à vous faire des dégâts en plus. Donc j'ai juste envie de dire que ça va juste rendre Ramus un peu moins bon. Ça va le rendre un petit peu moins bon, faudra faire attention. Parce que Ramus ne scale pas beaucoup avec les dégâts d'attaque et avec la puissance. Il scale un petit peu, mais pas énormément. Du coup, si vous l'avez dans votre équipe, ça va pas beaucoup vous aider. Par contre, à l'inverse, si par exemple un Gangplank a un dragon infernal, et qui fait la pénétration d'armure assez rapidement, là ça peut devenir ennuyeux. Donc ça veut juste dire que voilà, le dragon exact va être un petit peu ennuyeux pour Ramus. Alors, je change ça à mettre ennuyeux plutôt que de mettre moins bon. Voilà. Le dragon des montagnes. Là, par contre, c'est ultra intéressant. C'est pas un buff de 2%. Là, c'est carrément un buff de 3% sur les résistances. Donc, on passe de 6% à 9%. Et également, le dragon des montagnes qui va faire un petit peu moins de dégâts. Il va faire 45 points de dégâts en moins. Comme j'ai expliqué dans pas mal de mes vidéos, le dragon des montagnes, c'est toujours le dragon le plus dur à faire pour un Ramus. Tout simplement parce que le dragon attaque le moins vite. C'est le dragon qui attaque le moins vite. Vous allez avoir beaucoup de mal à le faire. Par contre, c'est le dragon le plus important pour vous. Et là, ce buff de résistance, il va être extrêmement, extrêmement fort. Donc on va le mettre. Le dragon des montagnes, où est-ce qu'il est? Il est ici. Voilà, ça c'est un énorme buff pour Ramus. Donc ça va être très, très important pour vous de le faire rapidement. Et ça va peut-être même pouvoir rattraper très largement le nerf de conditionnement. Donc n'hésitez pas, dès que vous voyez un dragon des montagnes, c'est le dragon où vous devez hardping vos alliés pour pouvoir le faire. Ensuite, le dragon des océans. Là, pareil, hein, on passe de 2% des PV manquants toutes les 5 secondes à 3% des PV manquants toutes les 5 secondes. C'est une petite augmentation de 1%. Mais sur des PV manquants, ça fait la différence. Ramus ne fait pas beaucoup, beaucoup de PV dans son build avant. Maintenant, il va en faire un petit peu plus. Les HP vont être un peu plus impactants sur Ramus de par les nouvelles runes dont je vous ai expliqué juste avant. Donc les runes, elles sont ici. Avec la rune sur croissance,
Donc, les HP gagnent un petit peu plus de value sur Rammus, un petit peu plus, c'est pas non plus insane, mais ça reste un petit peu plus rentable d'en faire. Du coup, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Je dirais pas qu'il n'y a pas de chance, ça reste quand même un léger buff du coup de Rammus. On va mettre ici en pas mal. Ça peut être intéressant pour vous. Et on termine par le dragon ancestral, du coup, qui va gagner un peu plus de HP, qui va gagner du coup 110 HP par minute, qui passe du coup de 6400 avec 180 par minute à 6400 avec 280 par minute. Donc ce drag, bon, il va être un peu plus dur à faire en fin de partie, mais dans tous les cas, de toute façon, le dragon ancestral, vous pouvez pas trop le faire avec Rammus, vous jouez pas des maîtrises, vous jouez pas des persos de ce type-là, vous jouez pas Belvet. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas de changement, dans tous les cas, vous allez toujours avoir besoin de vos alliés pour le faire. Donc ce dragon-ci, pas de changement. Le héros de la faille, enfin pour terminer. Le héros de la faille a désormais 75% des PV en plus quand il est invoqué pour la deuxième fois. Donc il va avoir 75% de PV supplémentaires pour sa deuxième invocation. Et également, quand vous tuez le héros de la faille, vous allez gagner 200 PO de façon locale à l'équipe qui l'a tué. Rammus, c'est pas un personnage qui fait extrêmement bien les héros de la faille, malheureusement. Le fait pas ultra bien. Il peut le faire, mais passer dans le dos de ces choses-là, c'est pas le meilleur personnage pour le faire. Du coup, héros de la faille, vous n'êtes pas tenté de le faire trop rapidement. Par contre, si jamais vos ennemis souhaitent le faire rapidement, là, ça peut devenir ennuyeux pour vous, parce qu'ils vont gagner des golds, ils vont gagner beaucoup plus d'avantages. Donc, ouais, je sais pas. Quand tu l'invoques pour la deuxième fois avec le héros de la faille, c'est vraiment quand vous l'invoquez sur la lane, c'est pour push en fait. Ça, c'est quand vous l'invoquez pour push, il va être ultra tanky, il va pouvoir push beaucoup plus de tourelles. Donc j'ai envie de dire, ça peut devenir ennuyeux parce que, comme j'ai dit, Rammus, c'est pas ça, il le fait très facilement. Donc faudra faire attention au héros de la faille, faudra très rapidement le surveiller parce que vous ne pourrez pas le faire rapidement. Grimoire ultime, on s'en fout, il n'y a rien à dire. Le clash de zone qui arrive, bon, là, je pense que vous pourrez le voir. Le début du segment, il y a les petites icônes pour Belvet, ok, c'est pas mal, c'est rigolo. Là maintenant, on peut voir désormais qui c'est qui nous a rendu honneur à la fin de la game. Le contenu fantastique, il n'y a pas Rammus. Je crois pas qu'il y a le skin de Rammus, donc on s'en fiche aussi. Il y a Lucian plus Fire Prestige, KDA plus Evelyn Prestige. Ok, okay, bon, il n'y a pas le skin de Rammus malheureusement. Les défis. Et... voilà, rien de plus. Les bugs, j'ai déjà regardé en amont. Il n'y a pas de bugs sur Rammus. Il n'y a rien qui a été changé. Il y a juste ici correction d'un bug à cause duquel les animations d'étourdissement et de projection dans les airs ne se lançaient pas correctement pour plusieurs champions. Ça, je l'avais remarqué notamment pour Soraka. Quand j'avais essayé de faire mon Q-spell sur une Soraka. Étant donné que le Adramus est un bump qui étourdit, donc qui fait les deux choses en même temps. Et bien du coup, il y avait quelques soucis, j'avais remarqué un petit peu, il y avait des petits bugs. Mais à part ça, il n'y a pas trop de changements. Et enfin, pour terminer, les skins, pareil, il n'y a pas de skins sur Rammus, il y a juste des skins Star Guardian, wouhou, on apprécie. Mais sinon, à part ça, voilà, pas de gros changements. Du coup, bon, on va terminer là-dessus. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, cette petite analyse de patch. Elle aurait été assez longue. Mais il y avait beaucoup de choses à dire, il y a eu des gros nerfs, on va revenir rapidement dessus, faire un petit topo. Déjà sur les champions, faites attention à Gangplank, Jarvan, Teemo qui ont été légèrement buff. Ça peut impacter Rammus dans les games. Tous les autres champions, il n'y a pas de gros changements, c'est plus des changements au niveau des heals. Ça va pas beaucoup vous impacter, donc vous allez rush à côté épineuse. Et à l'inverse, il y a Panthéon qui va revenir en jungle. Donc ça peut être un buff pour vous parce que vous êtes un bon counter de Panthéon. Et il y a également Sivir qui va pouvoir push beaucoup plus rapidement et que vous allez pouvoir gank beaucoup plus fortement, beaucoup plus fort en early game. Donc n'hésitez pas à aller gank des Sivir, étant donné que c'est pas mal joué en ce moment. Au niveau des items, il n'y a pas eu de gros changements. Le nerf du technochimique ne va pas changer grand chose sur Rammus, étant donné que vous n'avez pas de soins dans votre kit de sort. Ça, vous allez m'en foutre un petit peu. Le nerf des items support, soins, bouclier surtout, ça vous avantage énormément. Étant donné qu'il n'y a pas d'item tank anti-bouclier. Et enfin, pour terminer,
L'égide solaire qui a été également changée, qui va être très très forte sur Rammus encore plus qu'avant, étant donné qu'ils ont plus touché au HP et aux dégâts par rapport au HP et non pas aux résistances. Donc vous avez toujours les mêmes résistances, mais vous allez avoir beaucoup plus d'HP. Donc comme j'ai expliqué précédemment, au niveau de vos runes, ça explique aussi pourquoi vous allez devoir faire très rapidement la rune sur croissance. Parce que justement, vous allez pouvoir stack vos HP, pouvoir stack cet item-ci. Ensuite, par rapport aux runes, bon, malheureusement, gros nerf de conditionnement, gros nerf de ténacité pour la rune. Alors j'ai encore purée, j'ai trop du mal avec cette rune, je crois que c'est conditionnement. Inébranlable, c'est inébranlable, j'ai vraiment du mal avec cette rune. Donc gros nerf de conditionnement et de inébranlable. Donc il faudra faire attention, il va falloir modifier votre page de rune. Donc regardez bien cette page de rune là, c'est cette page là qu'il faut faire maintenant sur Rammus. Je pense que je vais la tester en game dans pas longtemps. Également. Le petit buff de la rouille offensive, donc faut faire attention, les personnages auront un peu plus de létalité, notamment en top lane et en jungle sur les assassins et sur les combattants. Donc faudra faire attention, ils vont faire un peu plus de dégâts, ça va pas être insane, mais c'est à surveiller. Et après, toutes les zones runes, bon, c'est des runes qui sont pas jouées en jungle ou qui ne sont pas jouées sur Rammus, comme par exemple la plaque d'os et le second souffle. Conditionnement reste quand même une rune god tier sur Rammus, donc très franchement, toutes ces runes-là, on ne les fera pas. Il n'y a pas eu de buff sur des runes pour Rammus, malheureusement. Donc pour l'instant, le personnage n'est pas amélioré sur cette note de patch au niveau des runes. Et pour terminer, pour la jungle, il va falloir faire attention par rapport au Drake Infernal qui fait un peu plus de dégâts. Il faudra faire attention aux combattants qui ont des dégâts bruts. L'héros de la faille, pareil, il faudra le surveiller parce que Rammus ne le fait pas rapidement et les alliés à l'inverse, eux, peuvent le faire. Et plus ils le feront rapidement, plus vous allez avoir de mal à prendre de l'avance sur eux, étant donné que maintenant, on gagne des golds en faisant l'Hérald. Pas de changement pour l'ordre Drake, c'est juste des HP supplémentaires. Le dragon des océans, étant donné que maintenant avec Rammus, on va faire un peu plus d'HP. Rammus va scaler un peu plus sur les HP. La régénération de PV, étant donné que Rammus n'a pas de soins, ça peut être important pour vous. Donc ça peut être un petit buff intéressant. Et enfin, pour terminer, par contre, le buff du dragon de l'air et du dragon des montagnes, c'est un très 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 gros buff pour Rammus. Donc là, va falloir vraiment se concentrer sur le late game, sur les dragons, sur l'objectif. Et à l'inverse, de par le changement des runes, un peu moins se concentrer sur l'early game, un peu moins se concentrer sur les ganks en early, et vraiment là essayer de viser le mid et le late game pour être impactant dans les teamfights. Voilà. Donc c'est tout concernant cette note de page, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous voulez en voir plus. Et moi je vous dis du coup à une prochaine fois, c'était Renkin. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo et pour un prochain live.